Et salut! Alors, la petite astuce du jour à laquelle vous vous demandez peut-être, ah, mais comment on fait le jour où j'ai plus de batterie, je sais pas combien je suis. Donc là, je suis chargé à 54%, n'est-ce pas? Et je suis chez moi. Et donc, jusqu'où je vais pouvoir aller? En fait, la voiture, elle vous indique en rouge, très rouge, tous les chargeurs que vous allez pouvoir atteindre, et tous les autres, ils sont comme grisés. Pardon, je vise très mal. Ils sont comme grisés, ce qui signifie que vous ne pourrez pas les atteindre. Donc là, par exemple, je vois que je peux aller jusqu'au chargeur de Pau sans aucun problème, faire 151 km, que je vais arriver avec avec 3% de batterie. Il me faudra peut-être un peu limiter la vitesse, voilà, parce que je suis pas trop chargé. Donc il me dit rouler à une vitesse inférieure à 125 km/h. Bon, on verra sur le trajet, mais peut-être qu'on pourra rouler plus vite. Mais en gros, voilà, la voiture, elle vous dit qu'elle est capable d'arriver sans problème jusqu'au superchargeur de Pau avec 54%. Voilà. Hop. Et alors pour aller à Bayonne, là par contre, ça va être plus compliqué en gros, parce qu'il va nous dire que on est obligé de s'arrêter à Pau. Voilà, qu'à Pau on aura les 3% dont il parlait tout à l'heure, qu'il va falloir rouler. Voilà, et éventuellement, si on enlevait les arrêts, ça nous dirait qu'on peut pas arriver à Bayonne. Voilà, hop, voilà, vous voyez, en rouge, recharge nécessaire pour atteindre la destination. Voilà, donc en fait, c'est assez pratique, mais en gros, quand vous mettez la carte comme ça. Hop, voilà, vous voyez en rouge, très rouge, les superchargeurs que vous pouvez atteindre. Les autres, vous pourrez pas. Et voilà, allez, à bientôt.